maman, ça va? Ça va mon chéri? Ça va, ça va. T'appelles comme ça pour prendre des nouvelles de temps en temps. Ah, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Bah là je vais sortir en ville. Là. Oh, tu sais que j'ai vu, il y a une série de films intéressante par le ciné-club de la fac. Tu vas y aller, hein? Ouais, tu vas sortir. Ouais, je verrai peut-être, ouais. Faut sortir. Au fait, j'ai réussi à prendre un rendez-vous avec le psychologue Basile. Quoi? Tu sais, je t'en avais déjà parlé, psychologue. Parler de ta différence. Mais il n'y a jamais été question de psychologue ou quoi que ce soit. Il faut que tu puisses parler à quelqu'un d'extérieur. Mais là, déjà, je sors à l'extérieur. Je vois pas où est le problème. Tu iras me faire plaisir au moins. Mais... c'est lundi à 8h. Oui, je vais bien te faire plaisir, mais moi ça va pas me faire plaisir parce que je suis bien dans ma peau, j'ai pas besoin de ça. M'appellera après le rendez-vous s'il te plaît. Pour m'expliquer qu'est-ce qu'il t'a dit. Non mais maman, c'est ridicule, j'ai pas besoin de ça, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu fais là? J'entends plein de bruit, t'es avec qui? Bah, je suis avec personne. Ouais. Bon. Mais pourquoi t'es si soucieuse comme ça alors? Déjà si j'ai quelqu'un avec moi, tu n'as pas besoin de le savoir. Écoute, je fais ma curieuse comme ça de temps en temps, hein, tu veux pas en vouloir à quelqu'un. Oui, bah regarde ce qui te regarde. Dis donc, tu vas parler autrement, hein? Oh maman, arrête. Ah puis lâche-moi 2 secondes, à cause de toi j'oublie à chaque fois les mêmes choses, purée. Je te dis que je vais bien, arrête toi de soucis. Mais non, t'inquiète. Ouais. Bon, écoute, faut vraiment que je prenne mon truc, je vais te la bourre. Non. Je t'embrasse, à plus. Hé, hey, Léo, ça va? Comment tu vas? Tranquille? Oh putain, je te raconte pas. On raconte pas. C'était dingue. Hier soir, j'étais en soirée avec Yvan. Ouais? Ah non, mais ça s'est super bien avec genre du lycée. Et ouf quoi. Ouais, ouf. En gros, il y avait d'autres gens du lycée, tu vois, mais on a fait de la musique. Et ça va lourd, car ça. Mais c'est bien, il faudra que tu viennes à la musique, tu vois. J'en ai pas trop de temps en ce moment, j'ai un peu limite pour moi, tu vois. Ça se passe, ouais. Ouais, et puis même là, ce matin, j'ai eu un coup de fil de ma mère, et un rendez-vous chez le psy. Je sais pas exactement pourquoi. Enfin, elle m'a surtout dit par rapport à des problèmes d'intégration, mais je vois pas. L'intégration. Moi aussi, je suis comme vous. Ouais. Non, quoi. Donc, c'est bizarre, hein. J'ai jamais de problème d'intégration pour moi. Non, ça se passe bien, Mais écoute, tu vas te prendre au jeu pour moi. Essaye, je pense, j'ai pensé aussi au tâche. Je pense qu'on peut faire un truc pas mal et puis tu sais pas, je pense que j'ai envie d'embrouiller le type. Ça peut être des barbes, des psychologues. Moi je crois que j'ai toujours eu envie de faire ça, tu vois. Tu me tiens au courant? Yes. Avec qui est-ce que je... A plus. Ouais. Bonjour monsieur. Nous sommes en retard. Asseyez-vous. Vous pouvez vous arranger si vous voulez. Bon alors, votre mère m'a parlé de votre problème. Ah ouais? D'ailleurs, quel problème? Vous ne voyez vraiment pas? Vous savez, moi, entre les autres et moi-même, je sais pas qui a le plus de soucis. Pourquoi vous dites ça? Bah, disons, ce qui me fait le plus rire, c'est ces gens qui arrêtent pas de me fixer tout le long de la journée. Et en fait, ça me fait plus rire, on va dire. Vous savez, la plupart des gens qui viennent ici réagissent différemment à leurs problèmes. Et vous, je crois que vous avez décidé de le rejeter complètement. Alors, je sais pas si ça marche maintenant, mais je peux vous assurer que par la suite, ça ne fonctionnera pas du tout. Pourquoi? Je suis pas du genre morfond dans mon coin, et puis je m'en fiche de penser ce que pensent les autres. Vous devez porter de l'intérêt à ce que pensent les autres. Les autres conditionnent votre vie. Vous savez, j'ai conscience quand même que mon physique ne me permet pas d'accéder à certaines choses, mais ça m'empêche pas d'être heureux. Mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Vous pensez qu'être marié ou avoir des enfants, c'est... c'est s'assumer soi-même, le seul moyen de s'assumer soi-même. Mais j'ai envie de poser la question, Avez-vous une bague au niveau du doigt? Monsieur, écoutez, vous êtes comme tous ces gens qui me dénigrent au quotidien. Vous êtes plongé dans ce monde faux et vous êtes incapable de voir la vérité autour de vous. En fait... Ça suffit! Ça suffit. Vous savez quoi? Tout est dit.